Bonjour. Alors personnellement, je suis mariée, maman de deux enfants. J'ai 35 ans et je suis une épicurienne et passionnée de l'immobilier. Professionnellement, je suis gérante d'une structure qui est une structure Orpi, qui fait partie d'une coopérative, où aujourd'hui on couvre plusieurs métiers, donc qui sont la transaction d'habitation, l'immobilier entreprise, la gestion locative et la location d'habitation. Alors aujourd'hui, on est l'interface entre des propriétaires bailleurs et des locataires. On est l'interface également quand un acquéreur a une recherche active pour trouver son futur nid. On est également acteur pour les professionnels de l'immobilier qui souhaitent ou acquérir une structure ou s'implanter notamment sur le Havre ou autour du Havre au niveau du bassin de l'emploi. Mais aujourd'hui, on s'étend professionnellement en gestion locative notamment jusqu'au bassin type Lillebonne, Le Trait. Et en immobilier entreprise, on peut aller notamment jusqu'à Caen. C'est un peu notre zone de chalandise maximum pour être dans une zone qu'on maîtrise. Et j'ai plaisir vraiment à accompagner des profils variés en recherche active d'une habitation, que ce soit à la location ou à la transaction d'habitation. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, ça laisse pas de place à l'ennui, ce métier. Futur projet, beaucoup, parce que je suis encore jeune et certainement plein de ressorts. L'objectif, peut-être, ce serait aujourd'hui d'ouvrir une cellule de syndic de copropriété, mais plutôt un syndic horizontal, avec des profils plutôt professionnels, où aujourd'hui on a des actes commerciaux qui poussent comme des champignons et c'est peut-être un projet effectivement et pourquoi pas ouvrir d'autres agences si le temps nous le permet. En voiture parce que effectivement l'immobilier ça se pratique plutôt en voiture, mais à pied quand il faut aller faire des petits tours d'horizon sans être aperçu, ouais pourquoi pas. Mère, je suis plutôt un profil mère pour voilà. M'aérer avec le soleil. Plutôt téléphone. J'ai tendance à avoir le contact facile et du coup, c'est vrai que l'échange par mail, j'ai pas une phobie administrative, mais je préfère avoir un contact direct et puis pouvoir échanger plus facilement par téléphone. Les deux, mon capitaine. Je commence tôt pour pas être ennuyée et puis voilà, pour pouvoir aller très vite dans ce que j'ai envie d'entreprendre. Et plus tard, parce que de toute façon, mon métier fait qu'aujourd'hui, j'ai pas de créneau horaire. Alors les deux. Mon métier fait qu'aujourd'hui, j'ai besoin de me concentrer seule sur certains dossiers qui peuvent être compliqués. Et en équipe, parce que le choix d'avoir entrepris chez Orpi par une coopérative, l'ADN, c'est le partage. Et donc, pour partager, il faut mieux être avec des personnes qui nous entourent. Bonne joueuse. Étonnamment, pourtant on est dans un métier de challenge, mais j'ai appris à me relever justement de quelques erreurs et j'apprends à me dire qu'on peut perdre. Ça c'est une bonne question. C'est compliqué de le dire, je sais pas. Je ne sais pas. Vin rouge. Vin rouge avec le fromage, il faut. Mais je suis ravie en fait d'appartenir maintenant à la communauté Enway. Parce qu'on a une richesse à l'intérieur de ce groupe qui nous permet d'aller vite. Et pour moi qui étais une grande timide, je trouve qu'il y a un vrai sens d'accueil et on sent que c'est une famille dynamique. Et j'espère voilà, pouvoir profiter encore longtemps de tous ces profils variés qui nous aident à grandir rapidement en tant que chef d'entreprise, puis même en tant que personne.